Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez vu ce matin un cheminée obligatoire. Je suis désolée dès que la caméra bouge, c'est Pixie qui arrive comme une bourrin et qui valdingue tout sur son passage. Voilà, donc la caméra, voilà, hein, elle était sur le passage. Qu'est-ce que je foutais là, la caméra? Tu peux pas être un petit peu plus délicate? Franchement, tu veux dire bonjour? Allez, Pixie veut dire bonjour. Comment ça va dans ta vie? Non, ça va pas très bien. Je crois que Mouloute nous fait une petite grossesse nerveuse là. Elle commence à couver un peu ses jouets. Alors je lui ai retiré ses jouets. Et du coup, elle pleure. Donc, j'espère que ça va passer rapidement. Elle nous fait ça quasiment une fois par an. Mais on n'aime pas trop ça, hein Mouloute? On n'aime pas trop. C'est pas des vrais bébés? Et non, je ne l'ai pas stérilisé. Pour ceux qui me diraient, bah pourquoi tu l'as pas stérilisé? Parce que au tout début, j'avais projeté de lui faire faire des petits. Le problème, c'est que, enfin voilà, j'en ai discuté et tout, et elle est trop petite. Les mâles sont toujours beaucoup plus gros et bah c'est quasiment certain en fait que les bébés seraient trop gros par rapport à sa petite taille à elle et que ça soit une césarienne tout ça, et j'ai pas envie de lui faire prendre de risques. Mais du coup le délai pour la stériliser, alors c'est pas qu'il est passé, mais normalement on fait ça très tôt quand ils sont petits. J'en ai parlé avec le vétérinaire qui m'a dit que vu son âge maintenant, c'est pas forcément intéressant. C'est juste on va dire tous les avantages qu'il y a à stériliser un chien, il faut le faire au début. C'est-à-dire que le côté, vous savez, où on peut avoir un cancer des mamelles, tous ces trucs-là, ça c'est trop tard. En fait, là, aujourd'hui, si je la faisais stériliser, le seul avantage qu'on aurait, c'est juste qu'elle n'aurait plus ses chaleurs. Bon, voilà, c'est une fois tous les 6 mois, pendant 2 semaines, c'est pas la mort. Tant pis, hein, je la ferai pas opérer et puis c'est tout. Donc je crois que j'étais en train de vous dire qu'il faisait froid et que j'étais obligée de me faire un bon petit feu. Ouais, ce matin, ça caille quand même. En Normandie, en tout cas, les températures, ça ne doit pas vraiment aller au-dessus de zéro. Jour 13 aujourd'hui. Alors 13, c'est pas un chiffre que j'aime bien. J'aime pas les 1, j'aime pas les 3. Et du coup, 13, c'est pas un joli chiffre. C'est pas un joli chiffre. Mais on va espérer que les calendriers verront la chose autrement. Et aujourd'hui, on va commencer par Laura. Ça va peut-être pas être ça va peut-être pas être bien ça, hein, finalement, de commencer par Laura. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent en fait juste pour voir ce que Laura m'a mis. Et derrière, ils vont partir de la vidéo. Si je commence par ça, je vais perdre peut-être plein de monde. Tant pis. Je fais dans l'ordre, vous savez bien, j'aime bien changer les premiers. Donc aujourd'hui, c'est Laura. Donc n'oubliez pas hein, que je vous le dis ça régulièrement, j'aime bien vous dire ça. Entre ma vidéo et sa vidéo qui est à 21h, ça vous laisse 2h pour prendre l'apéro et pour manger, c'est nickel. Donc petite maison rose aujourd'hui, sentir l'été toute l'année. Bon bah c'est du monoeil. Franchement pour moi odeur été c'est monoeil. Ou coco, mais je pense pas qu'elle m'aurait mis coco parce qu'elle sait que c'est très 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 risqué de me mettre de la coco. J'aime une fois sur deux la coco, souvent je trouve ça trop sucré. Je pense pas qu'elle avait mis quelque chose à la coco, donc là c'est un format comme ça. Ah non! Ah je sais pas, tu trouves que ça sent l'été ça? Je sais pas, je connais forcément Baïja. Et ça s'appelle Delirium Floral, Iris et Patchouli. Brume corps à l'eau de mélisse bio. D'accord, pourquoi tu dis que ça sent l'été?
Ben, je vais l'essayer tout de suite, hein, mais elle est belle en tout cas. Regardez le packaging là, comment il est magnifique. Je trouve pas que ça sente particulièrement l'été. Ça peut se mettre toute l'année. Alors, encore une fois, c'est dur, hein, mais c'est très dur de choisir du parfum pour moi. Ça ressemble à beaucoup d'Adopt que j'ai gardé là du calendrier. C'est floral, mais il y a un mini truc sucré. Ça va, c'est léger, c'est-à-dire que je peux le mettre, c'est pas sucré, mais je sais pas pourquoi ils nous mettent toujours une touche de sucré dans les fleurs, quoi. Mais c'est très léger, c'est très léger, donc ça va me convenir quand même, t'inquiète pas. Ok, bon bah écoute, je ne connaissais pas les brumes by Jah, je connaissais juste leurs gommages qui sont top, et leurs bougies qui par contre sont, enfin... Je ne sais pas si je peux dire, elles sont dangereuses, mais en tout cas, la mienne s'est enflammée beaucoup trop. La flamme est montée jusque-là. C'était assez dangereux, donc je ne rachèterai pas de bougie by Jah. Mais les crèmes corps aussi, je crois que j'ai déjà eu une crème corps. Oh, je ne sais plus, je sais que j'ai eu plein de gommages et que les gommages sont top. Donc voilà, mais c'est franchement, c'est hyper léger. Je pense que ça va se finir très vite parce que si on veut sentir longtemps, il faut mettre plein de pchits. On passe à Cottage. Je crois que ça fait 2 jours que je garde chez Cottage, donc aujourd'hui je suis pas sûre que ça va me plaire. Et si, ça me va très bien, c'est une huile de douche au karité tout simplement. Donc voilà, elle se présente comme ça. Karité, normalement il n'y a pas de problème. Non. C'est limite d'ailleurs, ça sent pas grand chose le karité. Alors Gloria, c'est une grande case aujourd'hui, sauf que ça s'appelle Unifi. Alors, Unifi, ça me fait plutôt penser à du skincare que du make-up. Encore, Unifi le teint. Marc Save. Hey, il y a un jour où j'ai crié, quoi. Faut arrêter avec ces marques, quoi. M'en veux plus. La valeur, c'est 36,90. On est d'accord que ce sont des beaux formats, mais vous ne nous faites pas rêver. Sérum botanique, booster d'éclat, anti-tache. Mais combien de fois on l'a eu, le sérum botanique? Bon, bah voilà, il se présente comme ça. Et ça, alors je vous ai dit que j'adore les sérums, hein, mais celui-là, c'est bon, on l'a trop eu. Moi, ça me gonfle. Donc, bah, je vous mets dans le concours. J'en ai marre, non, ça me... Là, sincèrement, Gloria, je crois que l'année prochaine, ce sera sans moi. Ah, et ben voilà qui sait mieux me parler. Chez De Bijenkorf, nous avons un gel douche Molton Brown. C'est tout ce que Molton Brown, ça coûte super cher. Et c'est rhubarbe et rose. Je crois que je l'ai déjà eu. Alors attendez, parce que j'en ai eu deux. Il y en a un où j'ai pas aimé l'odeur et un où j'ai aimé. Alors, c'est lequel celui-là? Ça sent bon. Ça sent bon. Mais je crois pas que c'est celui-ci que j'ai préféré. Il se présente comme ça, hein, les gels douche Molton Brown. Il y a un calendrier Molton Brown. Franchement, il me fait trop envie, mais il est carrément trop cher. Non, là, je suis contente. Ça, c'est le genre de produit qu'on ne peut pas vraiment s'offrir, hein, au quotidien. Moi, je ne mets pas 20 balles dans un gel douche, donc... non, c'est un... Je suis contente. Alors, chez Luville, c'est un format que je n'ai jamais eu pour l'instant. Et bah ça, c'est super joli. Franchement, je suis super contente de ce truc-là. C'est une horloge. Regardez comme elle est belle. Elle est trop belle. Ah, j'ai hâte d'aller la placer parce qu'en plus, comme ça, je vois pas trop... peut-être près de l'église pour dire l'heure qu'il est, je sais pas. Je vois pas trop où la mettre pour l'instant, par contre. Et ils ont un problème, hein, chez Luville. Hein. Elle est encore de travers. Hein. On est pas mal. Pour l'instant, j'aime bien 4 produits sur 5. On passe à Pixie. C'est ton tour, louloute. Et oui, tu les aimes bien, ceux-là. Ouais. Alors, c'est ceux-là, c'est avec un petit peu de viande au milieu qu'elle aime bien. Et chez les chiens, c'est ce format-là, par contre, hein, qui est plus petit, c'est gros comme des croquettes. Donc là, je vais lui donner plutôt celui pour chat. C'est celui qu'elle va préférer. Ça te dit, ça, ma louloute? Mais non. Mais non, mais non, mais non, mais c'est interdit, ça. Chez Adopt, nous avons... une lima ongle. Oh, alors ça
question en fait. En fait, c'est. Je peux même pas vous dire, je le mets dans le concours. Personne va prendre ça. Donc, ça va finir dans un colis Vinted en cadeau. Non, mais par contre, en fait, je trouve qu'il y a une telle différence entre les produits et les goodies chez Adopt que ça va pas du tout en fait. Ça vaut 20 centimes. Même pas. Ah non, mais trop déçu. Alors, chez Calista, bon, moi je sais que je n'aime pas, je connais, je l'ai déjà eu et je ne peux plus le sentir. Mais je savais qu'il serait dedans. C'est pourtant un très beau produit et je pense que vous allez être très content que je le mette dans le concours. C'est le parfum Angel de Thierry Mugler en petit format. Donc ça va être très joli, je pense. C'est super beau. Malheureusement, je ne l'aime pas. Mais franchement, c'est un très beau produit. C'est dommage que je ne l'aime pas parce qu'en plus, franchement, le packaging me ressemble énormément. Je ne peux plus le sentir. Je l'ai déjà eu en fait. Hein. Je l'ai déjà eu même très longtemps. Mais voilà, je ne peux plus le sentir maintenant. Je ne le supporte plus. Donc voilà, je pense qu'il va partir vite dans le concours. Chez Glossybox, je ne sais pas si je vais l'utiliser. C'est le genre de truc que j'utilise vraiment très rarement et j'en ai déjà d'autres. C'est un gel à sourcils de la marque Aeko. Comme ça. Donc je ne vais même pas l'ouvrir en fait parce que ça ne sert à rien de regarder. C'est marqué clair, donc c'est un transparent. Écoutez, ce que je vais faire, je vous le mets dans le concours. Si vous ne le prenez pas, je l'utiliserai. Mais si ça peut faire plaisir à quelqu'un, autant que ça parte. Dommage. Oui, les produits sourcils, c'est un peu compliqué. Moi, je fais jamais mes sourcils en fait. C'est très rare que je fasse mes sourcils. Et en général, j'aime pas trop l'effet gel. Ça colle un peu les sourcils. J'aime pas ça. Donc, dommage. Bon, chez Colibri. Alors, celle-là, je pense que ça va être ma préférée. Elle va être trop bonne. Alors, elle a des petits éclats de noix de pécan dessus. Et à l'intérieur, c'est dulce de leche. Une sorte de caramel, quoi. Celle-là va faire mal. On la dégustera ensemble tout à l'heure, mais franchement, je crois que ça va être bon. Chez Savonnerie de Bormes, j'ai une grosse crainte puisque ça a le même format que toutes les brumes qu'ils nous ont mis depuis le début. Et je ne veux plus de brumes. Donc, je vous dis, on a eu la brume de linge, la brume de cheveux, la brume de maison. Donc là, ça va être une brume corps à tous les coups. Faut qu'ils arrêtent avec les brumes, quoi. Brume de lit. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Celle-ci, c'est la brume de lit. Parce que oh, tu mets la brume sur les draps. Hein, parce que le parfum de la dernière fois, c'était une brume de linge. Donc tu mets sur le linge et puis après, tu mets ça sur le lit. Oh non, ils abusent. Franchement, ils abusent parce qu'ils ont tellement de choses bien dans cette boutique. Et ils nous mettent que des trucs nuls. Ça m'énerve. Brume de lit, baie d'hiver. Donc ça doit être quelque chose. Je vais pas le pchiter là. Je vais le sentir là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est un peu fruit rouge. Et ben vous savez quoi, ça va être comme le gel à sourcils. J'aime plutôt bien l'odeur. Hein. C'est pas une question d'odeur. Je ne parfume pas mon lit en fait. Donc je vous le mets dans le concours. Si vous le prenez, tant mieux. Si vous le prenez pas, je le mettrai dans les toilettes. Oui, parce que les toilettes est le seul endroit où j'utilise les brumes. J'en mets sur le rouleau de papier toilette et ça sent bon. Mais j'en ai quand même 5 ou 6 déjà des brumes que j'ai mis dans les toilettes. Donc si ça peut convenir à quelqu'un, je vous le propose et puis on verra bien. C'est pas trop ma journée quand même. Hein. Ça sent le Joker à la fin. Non, mais ça en plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est un petit peu comme les goodies chez Adopt. C'est un gel douche, parfum orange, c'est le Ritual of Mer. J'aime bien Ritual of Mer, il n'y a pas de problème. Seulement, ce sont des gels douche et des formats qui n'existent pas à la vente. Vous pouvez aller voir chez Ritual, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est le genre de choses qu'ils nous mettent pour que ça coûte encore une fois 50 centimes. C'est le genre de truc qu'ils mettent à la limite dans les hôtels, vous savez. Un peu échantillon,
Et ça ne me plaît pas qu'ils nous mettent des trucs qui n'existent pas vraiment en magasin et qu'ils nous mettent juste pour que ça leur coûte moins cher. Donc ça se présente comme ça. Je vais l'utiliser. Je l'emmènerai certainement quand on part en vacances ou en week-end parce que ça, c'est un truc qui nous fait vraiment même pas la semaine. Mais ouais, je suis vraiment pas emballée par ce genre de surprise. On passe au AM Cosmétique spécial fondant. Donc comme c'est pas ma journée, je pense que ça va être un parfum qui va pas me plaire. Alors si, c'est un parfum que j'aime bien, bien que pas du tout Noël, voilà, mais ouais, j'aime bien. C'est à la pastèque. Voilà, donc pastèque, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Celui-là, je le garde. Et enfin, le AM Cosmétique Total Détente, je ne reconnais pas comme ça au toucher. Ah! Trop bien, merci. Ça relève un petit peu quand même parce que là, franchement, j'ai eu plein de déceptions dans les calendriers. C'est donc une bombe de bain, un fondant de bain, parfum lime daiquiri. Je sais pas ce que c'est le daiquiri. Ça sent pas trop comme ça ressemble à un petit gâteau, un petit muffin, un muffin, comme dirait mon grand-père. Mon grand-père le prononce à la française, il dit ce sont des muffins. Non, franchement, AM Cosmétique, vous avez relevé la fin de mon unboxing. Je sais pas si je prends un joker. Il y a des jours comme ça où c'est pas évident que je prends un joker. Alors déjà, je mets 4 produits sur 15 dans le concours. Ça, je suis pas contente. Ça, je suis pas du tout contente. Allez, let's go, joker. Alors Laura, qu'est-ce que tu m'as mis comme petite joker aujourd'hui? Scalp sérum. Ah, ça m'a fait bizarre de le dire comme ça. Scalp sérum, genre ça va te scalper. Non, c'est un sérum pour le cuir chevelu. La marque Pure and Care. Bah, alors, je sais pas où est-ce que tu trouves cette marque-là. C'est la troisième fois que tu m'as mis un produit Pure and Care. Je sais pas du tout. J'ai jamais vu cette marque. Donc ça se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. C'est marqué sérum pour cuir chevelu sensible contre les démangeaisons causées par la sécheresse de la peau. Ah. Tu m'as mis quelque chose pour ceux qui ont des pellicules. Effectivement, moi j'ai le cuir chevelu assez sec et qui me démange dès que j'ai dès que je change de shampoing en fait, dès que je n'ai pas un antipelliculaire, ça revient tout de suite. Contient du glycyrrhizate, d'hypotassium et de la glycérine qui suppriment les démangeaisons liées à la sécheresse et réduisent l'irritation. Aide le cuir chevelu à retrouver son équilibre naturel. Ok, alors ça se présente comme ça. Par contre, est-ce qu'ils nous disent un petit peu combien on doit en mettre? Parce que ça, c'est le genre de truc qui me fait super peur. J'ai toujours peur que ça me graisse. J'ai les cheveux gras, alors j'ai toujours peur de rajouter des produits sur mes racines. Utilisation. Utiliser 1 à 2 fois par jour, de préférence avant la nuit. Étaler le sérum sur le cuir chevelu directement à partir de la pipette tout en séparant les cheveux. Masser légèrement jusqu'à ce que le sérum soit bien absorbé. Ne pas rincer. Ne pas rincer. Bon, après, c'est fait pour le cuir chevelu sec, donc il doit. Enfin. Le problème, c'est que j'ai un cuir chevelu sec et des cheveux gras. J'ai toujours peur que ça me graisse les cheveux, les trucs comme ça à laisser sur la racine. Ça me fait. En fait, je vais l'utiliser. Déjà, pas pendant les vlogmas. Pas pendant les vlogmas. Une fois que les vlogmas seront finis et que je pourrai le mettre la veille d'un jour où je me lave les cheveux. Comme ça, si je vois que ça graisse mes cheveux, je sais qu'il faudra que je l'utilise uniquement la veille de jour où je me lave les cheveux et pas n'importe quand. Ok, bon, je t'avoue que c'est un produit qui me fait peur, mais ça peut être très bien. C'est juste qu'il faut que je me mette un petit coup de pied au cul pour oser l'utiliser. Bien, voilà, donc, petit rappel de ce que je vous mets dans le concours. Je vous rajoute donc le sérum botanique Sève, le parfum miniature Angel, le Brow Gel Aieco et la brume de lit Baie d'hiver. Nous allons passer au concours du jour. Juste avant, on fait le tirage au sort pour le jour numéro 9.
Et pour aujourd'hui, je vous propose de remporter soit le gommage pour les lèvres au sucre rose de la marque Avant ou 10 participations supplémentaires au concours de Noël. Voilà, donc nous en avons terminé avec cet unboxing. On va aller placer la petite horloge et là pour le coup, je ne sais pas encore du tout où je vais la placer. Je pense qu'il faut qu'elle soit à un endroit où on la voit quand même bien puisqu'elle est très jolie, je trouve. Et puis cet après-midi pour moi ça va être montage. J'ai 3 vidéos normales encore à monter. Donc je ne ferai rien d'autre de ma journée. On se retrouvera aussi pour déguster la madeleine qui a l'air une tuerie là pour le coup. Et puis ce sera tout. Alors là, franchement, c'est beaucoup plus dur de lui trouver une place. Je pensais peut-être à ce niveau-là. En fait, le truc, c'est qu'elle a des dorures et le seul bâtiment, bon, à part la grande roue là-bas, mais enfin, je veux dire, une horloge, elle n'a rien à faire à la grande roue. Le seul bâtiment qui a des dorures, c'est l'église. Et puis bon, on peut comprendre qu'il faille être à l'heure à l'église. Au niveau des autres trucs que je vois pas pourquoi il y aurait une horloge en fait. Donc, je pensais la mettre par là, quoi. Attendez, je pose juste pour l'instant, juste pour voir ce que ça ferait. Alors, c'est pas parfaitement sa place, hein, je trouve, mais en même temps, je vois pas où la mettre ailleurs. Je peux pas la mettre beaucoup plus loin de l'église, ça ferait un peu drôle. Et en même temps, les deux lampes là, elles peuvent pas être bougées parce que en fait elles sont électriques et les fils électriques courent dans le polystyrène en dessous, donc je peux pas les bouger. Donc bah écoutez, ouais, je pense que va rester là. Alors j'en profite que mon chéri est au boulot pour refaire les paquets cadeaux de ses cadeaux de Noël parce que là dernièrement il était quand même pas mal à la maison et du coup j'étais obligée de les planquer pour pas qu'il les voie. J'ai trouvé un super beau papier cadeau encore. Franchement, c'est une catastrophe. Là, forcément, j'ai acheté un truc impossible à emballer. Et je ne sais pas comment je vais faire. Ça ressemble à rien ce que je fais. Dites-moi si vous êtes dans la team de ceux qui achètent toujours des trucs impossibles à emballer. Bon, on peut largement mieux faire, je pense. Mais bon, c'est pour mon chéri, hein. Il dira rien. Bon, voilà. Ils sont moches, comme d'habitude. Je suis pas très douée sur l'emballage de paquets cadeaux. Mais bon, hein, ça fera l'affaire. Bon, c'est l'heure de goûter cette petite madeleine qui me fait vraiment de l'œil. Pour l'instant, je n'ai pas encore atteint le cœur. Ils en ont pas mis beaucoup quand même, hein. J'ai quasiment pas croqué dedans encore. Alors que je suis quasiment à la moitié de la madeleine. Le cœur est vraiment trop. Regardez, là, on est vraiment avec du caramel. Je suis juste déçue qu'il n'y en ait vraiment qu'au milieu. J'aurais voulu qu'il y en ait partout dans la madeleine. C'est trop bon. Avec des petites noix de pécan qui apportent un peu de croquant. Elle est trop bonne. Voilà, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à demain.